Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en live, donc sur Xbox One. Donc je vais vous montrer un glitch bug comme vous voulez, une petite astuce pour rentrer derrière le bar, donc de la salle des stretches. Dans la salle des stretches, il y a un bar avec la salle de pour la musique DJ, donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc vous allez voir, on trouvait juste là, donc c'est un bug qui va nous apporter derrière le bar. Donc vraiment là derrière le bar, je vais vous montrer comment faire. Vous allez me dire, mais non, on peut pas rentrer derrière le bar, c'est pas impossible. Donc je sais pas s'il marche sur PS4 et sur autre console, les PC. Donc vous voyez ici, on va aller derrière, on va le rejoindre. Donc je vais vous montrer, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, on peut pas. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors ça marche une fois sur deux, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas, ça peut arriver. Donc je vais vous montrer. Il vous faut une voiture, mais vraiment une voiture, donc ça, genre sur 4x4. Donc vous voyez, par le camion, un 4x4, un véhicule haut, vous le garez là, donc vous montez tout en haut. Ah, c'est pas si facile de grimper. Merde, voilà. Parce que quand je dis c'est pas facile, voilà. Donc vous montez sur le toit du 4x4, vous sautez là, dans le coin, vous faites gaffe de ne pas tomber sur la gauche, vous avancez, vous restez bien là comme ça au beurre. Et je vais vous montrer, on va tomber dans le vide et vous allez voir, on pourra passer derrière le bar. Alors vous allez voir, vous allez jusqu'au bout. Voilà, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Vous faites gaffe, des fois vous pouvez tomber sur le toit, remonter par le toit ou tomber en bas directement. Ça dépend en fait. Voilà, donc moi je suis tombé. Si vous tapez dans le vide, vous pouvez taper dans des personnes. Donc voilà, il faut se cogner dans le mur et tout pour attendre qu'on voit un objet. Et en fait on va l'escalader, donc dès qu'on voit genre je sais pas, la décoration du bar entre ça, en fait on pourrait escalader. Voilà, donc là j'ai escaladé un truc, je sais pas où je suis, pas du tout. Mais ok, d'accord, j'aimerais bien passer derrière le bar, mais c'est vraiment pas facile, je vous promets. Faut, en fait il faut taper, faut se cogner, faut faire n'importe quoi pour passer. Donc j'y arrive pas, c'est vraiment dur, c'est pas... voilà. Je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez dire non, c'est pas possible, t'es rentré et tout. Il y a... voilà. C'est pas un fake, c'est vraiment vrai. Donc, j'y ai réussi juste avant pour regarder si on pouvait toujours le faire, on peut toujours le faire. Mais, par hasard, ouais, j'ai comme si j'ai cassé la roue. Voilà. Donc, on peut bien rentrer, c'est bien sûr. Mais, j'arrive pas à repasser derrière. Normalement, je suis parti trop loin du bar. Ah, il doit être là, c'est là, c'est même sûr, c'est là où on peut monter. Là on est derrière le bar à mon avis. Mais j'y arrive pas, c'est bon, je vais mourir, je vais le refaire. Ça sent un peu dommage parce que je vais bien vous le montrer en direct là. C'est pas vraiment facile parce qu'il faut sauter n'importe où pour monter sur le bar. On peut tuer du monde, je me suis on peut se battre et tuer du monde. Mais si j'y arrive pas, je pense que je vais ressortir de la boîte et vous montrer plutôt. Voilà, on a réussi. Voilà, vous avez juste à sauter. Et en fait, ça arrive. Hop, on a atterri là. Donc, vous voyez, on était juste en dessous. On est arrivé là. Vous allez me dire, waouh, là. Donc, ici, il y a une porte. À quoi ça sert? Je ne sais pas du tout, mais il y a une porte. Donc, après, je vais vous montrer un deuxième truc. Ça va être assez drôle, vous allez voir. Donc, il y a une porte, c'est vide. Et tout à l'heure, je vous ai montré la table de mixage avec le DJ et tout. Je vous ai pas menti, il est là. Donc voilà, je vous ai pas menti, il y a vraiment un DJ et tout. C'est là où on était, là on était en bas. Là, je sais pas si c'est un mec ou une nana. Donc, du coup voilà, c'était un petit glitch pour vous montrer qu'on peut se retrouver dans la salle secrète du club de Stretches. Voilà. Donc tout simplement. Et maintenant je vais vous montrer. Bon, on peut pas ressortir facilement, mais je vais vous montrer. Je sais pas si on peut ressortir facilement. Mais je vais vous montrer, on va retourner dans le bug et vous allez voir, on peut taper du monde dans le bug, vous allez voir. Ça va être assez drôle. Attendez, j'essaie de regarder ce qu'on peut pas ramper. Non, on va mourir et on va revenir au point de départ. Et vous allez voir, juste en tombant, vous allez entendre des cris quand je me batte avec des gens. Alors ça peut être le ça soit deux pour faire le bug, une personne qui va directement dans la salle et une autre qui monte là-haut pour voir. Voilà, vous voyez, je suis descendu. Donc on va aller voir si on peut taper du monde. Ah, est-ce que je me suis bien pris ou pas? Ah, je sais pas où ils sont. On peut sortir des armes. Voilà, le vigile arrive.
Voilà, je suis en train de me faire taper. Regardez. Vous allez voir, j'ai pas bougé. Voilà, je prends des coups. Vous avez vu? Mon bonhomme prend des coups, les gens. C'est pas des conneries. Vous avez vu, on est en train de bien taper. Donc, je sais pas si je peux un côté de mon teuf pour voir ça fait quoi. Bien sûr, ça prend feu. Je sais pas si c'est un bon ami. Voilà. Il y a une personne, je pense, qui vient tomber dedans. Voilà, je suis rentré. Voilà, il y a un bug, je suis rentré dans la bonne nuit. Donc, vous avez vu, je vais vous montrer, il y a bien une personne qui a été tuée. Si je peux passer sans mourir, bien sûr, en mangeant des encas. Je sais même pas où c'est. Inventer. Encas. Ah, il veut pas manger. Bon, c'est dommage. Vous avez vu, j'ai une personne, je sais pas c'est qui, vigile ou non, c'est même pas vigile, j'ai vu une personne. Donc voilà, il y a des personnes, donc je pense que je les ai tués bien avant, je ne sais pas. Du coup voilà, j'espère ce petit glitch vous a plu, j'espère que vous avez aimé et tout. On est vraiment rentré dans la boutique. Moi je vous dis à très vite. Si je trouve des autres bugs, j'en ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Moi j'espère que vous avez plu. Moi je vous dis bon game, à très vite, ciao, bye bye, allez salut.